Metamina, la plateforme qui nous permet comme ça de miner du dollar USDT every day, voilà, pendant 90 jours avec la machine L1, tu mines comme ça du dollar USDT, voilà. Et dans cette vidéo, je vais effectuer un retrait. Donc, voici ma machine de minage ici. Ma machine de minage ici, là. Il me reste 58 jours, voilà. Et il y a une information qui vient de tomber ici. Voilà, parce que les machines normalement devraient augmenter à partir d'aujourd'hui, mais il y a 5 jours encore qui ont été ajoutés comme ça, et le prix des machines minières bientôt en hausse. Voilà, tous les prix des machines minières augmenteront officiellement à partir du 4 septembre. Donc il y a eu un changement. Dans le compte à rebours, c'est dans 5 jours. Voilà. Le compte en rebours, c'est dans 5 jours. Bon, moi, je viens de souligner encore que le projet est risqué. Le projet est risqué, donc on ne peut s'aventurer dans ce projet que les preneurs des risques. Donc, si tu sais prendre des risques mesurés, voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies, tu prends ton risque, tu investis, mais sache que tu as investi, tu es responsable de ton propre investissement. Et tu investis toujours en fonction de ton ressenti. Voilà. Dans cette vidéo, je vais effectuer un retrait rapidement. Voilà, un retrait rapidement, un retrait de 58 $ et bien 56 $. Je mets la totalité ici. Ok, ça va. Je mets maintenant mon portefeuille. Ça va, portefeuille, c'est bon. J'envoie le code OTP. Voilà, et j'attends comme ça. Voilà, il va peut-être arriver. Ah, le code OTP est là. Ok, j'ai copié le code. J'ai copié le code. Ok, c'est fait. Voilà, copier. Une fois que j'ai copié, je rentre là. Celui-ci, ici, je viens coller là. Je viens coller ici, là. Voilà. Et là, je vais mettre mon mot de passe de transaction. Voilà, et c'est terminé. Voilà. Voilà, c'est bon. Le code a été mis. Le code a été mis. Mot de passe de fond a été mis. Ok, je lance la demande. Ok, ça va. La demande est effectuée avec succès. Une fois que ça a été effectué, je rentre là au niveau d'actifs. Je vois que mes actifs, je vois que mes fonds sont maintenant plutôt sont gelés. Donc, vu que ce sont des retraits instantanés, donc d'ici au trop 5 minutes, comme c'est la nuit là, bon, je pense que je serai payé. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, c'est un projet hautement risqué, voilà, mais qui me génère de l'argent tous les jours. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Confirmation, voilà, confirmation du retrait de 54 $, voilà, sur le projet Metamineur, voilà. On va aller tout de suite confirmer ça sur... voilà, sur Binance, parce que le fonds arrive que sur Binance. Voilà, c'est très rapide. On va aller, on va chercher le dollar USDT. On va chercher le dollar USDT. Le fonds ici, dollar USDT. Ici, là, dollar USDT. Au niveau de dollar USDT, on voit très bien les 54 là dans le dépôt. Je vous ai dit, comme c'est la nuit là, c'est très rapide. Donc, c'était vraiment instantané parce que le retrait ici, le retrait est parti à 45, voilà, le retrait est parti à 45, et voilà le retrait, ça c'est la confirmation. Ok, ça va. Donc les gars, pour l'instant, vu le risque imminent de ce projet, voilà, vu le risque imminent de ce projet, voilà, donc le projet paye, ça paye. Nous, on prend des positions et on se fait de l'argent. Voilà. Donc, il faut savoir que moi, j'ai plusieurs comptes sur ce projet et je me fais de l'argent avec. Donc, si tu sens que si tu penses que le projet te parle, voilà, n'hésite pas également à te positionner. Voilà, donc, et actuellement, nous sommes en train de. Le Bitcoin vient de chuter. On vient de traverser la barre des 19 000. L'Ethereum est également en train de chuter. Je pense que si la chute continue comme ça, le Bitcoin pourra atteindre les 17 000 demain matin. J'ai ce sentiment. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté.